pas forcément l'ambition d'instaurer le bonheur au quotidien. En revanche, on a l'ambition de donner les meilleures conditions possibles à nos salariés. Et pour ça, on s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'environnement. En essayant de proposer des environnements intéressants à nos salariés avec des dispositifs de crèche, des dispositifs de conciergerie, des dispositifs d'infrastructures qui sont intéressantes. Ensuite, on travaille sur la partie management, en travaillant sur la fluidité d'échange avec nos managers et de mettre plutôt les managers de proximité dans une logique de coaching et pas du tout dans une logique de chef d'équipe. Et le troisième point, c'est quand on travaille sur les problématiques liées et inhérentes à notre métier, notamment des sujets de planification. On essaye de mettre en place du télétravail, d'organiser du covoiturage. Et puis de cette manière, avoir un socle de mesures qui permettent aux salariés, dans un cadre qui est notre cadre, qui est un cadre contraint, mais finalement d'être le plus épanoui au travail possible.